lancement officiel aujourd'hui donc du parcours simplifié du créateur repreneur d'entreprise à Vannes. C'est une innovation française, puisqu'en fait aujourd'hui, on va réunir dans le même bâtiment, dans le cadre de la réhabilitation de la pépinière Le Prisme à Vannes, l'ensemble des structures d'accompagnement à la création reprise d'entreprise. Donc on y retrouve VIPE qui accompagne l'innovation, on y retrouve Initiative Vannes qui fait des prêts d'honneur, on y retrouve la boutique de gestion et le carrefour des entrepreneurs, on y retrouve aussi Bretagne Active, Citel, l'ADI, Entreprendre Féminin et Citelab. L'idée, c'est d'apporter un accompagnement sur mesure à des profils de porteurs différents, de mettre en place des synergies en ces structures pour justement proposer des ateliers, des formations et un parcours simplifié. Aujourd'hui, l'ensemble de ces structures était éparpillé dans la ville. Aujourd'hui, on les réunit pour plus de dynamique et pour simplifier justement une adresse unique qui est Place Albert Einstein au PIBS. Notre souci partagé, c'est aider au maximum la start-up, le créateur d'entreprise, à créer son entreprise et l'accompagner dans les premières années d'entreprise. C'est une première, certes, dans le paysage régional et peut-être national, je ne sais pas si on est à ce point-là. En tout cas, ce n'était pas pour être une première que nous l'avons fait que Vannes Agglomération l'a soutenu. C'est parce qu'on a considéré que c'était sans doute l'outil indispensable pour les porteurs de projets. La nouveauté forte, c'est une forme de hub qui est créée, puisqu'on a aussi, dans le cadre de cette dynamique, les réseaux d'entreprises, donc de chefs d'entreprise qui ont rejoint le bâtiment, le club entreprise de Vannes, le centre des jeunes dirigeants, le créateur repreneur d'entreprise et les business angels sont présents au sein du bâtiment et permettent de lier les startups qui sont hébergées, les structures d'accompagnement et les réseaux de chefs d'entreprise pour créer un écosystème favorable et donner le plus de chances possible aux projets qui naissent à Vannes. Ça permet aussi d'implanter des entreprises nouvelles et de leur montrer les synergies. Notre force historique, ce sont les réseaux, la proximité et la simplification qu'on peut apporter à la création d'entreprises à Vannes plus qu'ailleurs.